Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir, chez vous, Elsa Fayer. Son fiancé, Christophe Alévêque. Son père, Pierre Bénichou. Son petit frère, Stevie Boulet. Sa grande sœur, Isabelle Alonso. Son institutrice, Annie Lemoine. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu peur que vous disiez sa mère, Annie Lemoine. Ah, ça ne me donne pas de toi. Son Mac, Laurent Ruquier. N'importe quoi. Ah, ça fait pas d'effet, vous, hein. Ils sont dressés, ils applaudissent que quand c'est vous, c'est énervant. Pas du quoi tout. Ils sont dressés. Ils applaudissent parce qu'il est drôle. Bravo, voilà. Ah oui. Ça, c'est bien, Elsa Fayer. Bon, attendez, voilà. Je vais me rattraper. Vous allez bien, Laurent? Très bien, non. Ah bah. Je suis toujours malade. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous devez avoir dans votre valise des médicaments. Alors ça, je suis malade. Pierre dit ça parce qu'en fait, je suis parti en week-end à l'étranger pendant 4 jours. Je suis rentré effectivement avec la crève et en plus, Air France ne m'a pas rendu mon bagage. Non. Il y a 380 passagers dans un avion. Et ben c'est sur moi que ça tombe. Non, mais c'est pas un hasard. T'avais mis ton nom sur la valise? J'avais mis mon nom. Ah, c'est pour ça. J'avais même mis quelqu'un dans la valise. Mais quelqu'un de vivant ou de mort? Ah bah oui, bien sûr. Et sinon, t'as réussi à retrouver de la drogue, non? Mais parlons plutôt du sujet du moment avec cette photo officielle des 23 de l'équipe de France. 23 candidats à l'Élysée en 2007. Il ne s'agit pas de football. Regardez cette belle photomontage qu'on a pu réaliser. Bon, par rapport aux Bleus, les candidats à l'Élysée sont un peu plus perso. On ne peut pas dire qu'ils aient vraiment le sens du collectif. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui risquent de ne même pas passer le premier tour. Mais ils sont quasiment 23. On les a recensés, les candidats ou candidats à la candidature pour l'Élysée 2007. J'aimerais voir si vous les reconnaissez tous. On va les prendre. Alors d'abord en haut, allons-y. La Guillet, après. Allez, le vert coché, quoi. Yves Cochet, bravo, Annie Lemoine. Stevie. Dominique Voynet, bravo. Ensuite. S'il vous plaît, moi, c'est le seul que je connais. Bayrou. Après, je suis dans la merde. Marie-Georges Buffet. Oui, Isabelle. De Villiers. Christophe. Fabius. Fabius, ensuite. Jacques Lang. Ségolène. Hollande. Vous avez du bol, vous. Ah oui. Suivant. Dieudonné. Pierre Bénichou. Non. Castro. Roland Castro, exactement. Mais fou, il est chauve, enfin. À côté de Roland Castro. Jospin, Annie. Ah là, Le Pen. Le Pen, ensuite. Alors là, je ne vois pas bien. Le monsieur avec un béret. Ah, oh, je sais pas, il fait une pub pour le saucisson, non? Non, le président de Chasse, Pêche, Nature et Tradition, monsieur Jean Saint-Josse. Ah, tout à fait. Candidat aussi. Suivant. Non, je ne sais pas. Suivant. Je sèche, là, la personne, là, à côté, je ne la connais pas. Alors, non, je sais pas. Qui est cette femme, la candidate? Ah, je sais pas. France Gamère, candidate déclarée de Génération Écologie. Non. Wow. Eh, y en a même qu'on ne soupçonnait pas. Hein. Ouais. Suivant. Beauvais. C'est Beauvais, ça. Pocrin, notre copain Pocrin, qui, hélas, vous ne verrez plus ici parmi nos chroniqueurs, puisqu'il est maintenant candidat officiel à l'Élysée 2007. Non. Incroyable. Oui, mais dès qu'il aura gagné, il revient. À côté. Sarko. Suivant. Et Besancenot, parfait. Tout à fait en bas à droite, c'est qui? Avec le survêt. Tout à droite. C'est pas un footeur? Mais non, c'est un arbitre. Ah oui? Bah, c'est un arbitre sur la photo officielle. Elle est aussi con que Christine Bravo qui nous a fait le même coup qu'hier. Il y a vraiment des mêmes. Allez, quittons la politique et revenons plutôt au football avec la mascotte du mondial allemand qui ne se vend pas. C'est un tel bide que l'entreprise qui avait signé un contrat d'exclusivité pour fabriquer la mascotte du mondial est obligée de fermer, de déposer le bilan, de licencier. Et vous savez pourquoi, à votre avis, pourquoi cette mascotte n'est pas achetée? Ça rappelle des mauvais souvenirs, en tout cas pour les Français. Le roi Lion. Pourquoi? Le Crédit Lyonnais. Oh là là! Non, mais moi je crois que c'est parce que... C'est pas que les Français qui achètent un mascotte. Ça se passe en Allemagne, alors c'est plutôt mais a priori... France, pourquoi il n'a pas de succès? Mais même les Allemands ne l'achètent pas. Elle fait peur. Non. Parce qu'elle n'a pas de culotte. Parce qu'elle n'a pas de culotte. Bravo Isabelle Alonso. Exactement. Oh, ils sont fous. À Lyon, on n'a jamais de culotte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une mascotte sans short. C'est idiot, on n'a jamais vu un footballeur sans short. On n'a jamais vu à Lyon avec un short non plus, si on y pense. Il a un maillot et des chaussures. On n'a jamais vu à Lyon sans bite non plus. Hein.
Il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine et on commence avec un dessin d'Aurel dans Marianne qui imagine l'ambiance actuelle au sein du couple François Hollande-Ségolène Royal. Regardez, ambiance, il y a Jospin qui dort au milieu. Le dessinateur Potus dans Le Canard Enchaîné nous donne un dessin à propos de l'immigration choisie, cher au ministre de l'Intérieur. Et là, on voit un Africain qui dit ben, « J'ai un diplôme de pilote de charter, ça devrait séduire Sarko ». Dans l'hebdomadaire Marianne, le dessinateur Grosse revient sur l'accueil mitigé réservé à Nicolas Sarkozy, suite justement à cette politique d'immigration choisie. Sarkozy hué au Mali et on voit Sarko qui dit ben, « Pas grave, j'irai choisir mes immigrés ailleurs ». On passe à l'affaire Clearstream, dont la surmédiatisation a inspiré ce dessin à Charbes dans l'Humanité. On entend tellement Clearstream, Clearstream, Clearstream tous les jours qu'il y a un couple devant son téléviseur qui dit « Tiens, on devrait ouvrir un livret A chez Clearstream ». La même affaire Clearstream avec Grosse dans Marianne qui nous dit que Gergora, réputé être le corbeau, réfute ce terme. On le voit d'ailleurs physiquement, il dit « Je suis un lapin ». Allez, deux derniers dessins signés Philippe Gueluc dans VSD. D'abord celui-ci où on voit le chat qui dit « Je voudrais avoir une pensée pour les membres du personnel des cuisines du Titanic et plus particulièrement pour ceux qui étaient à la plonge. Oh. » Et un autre en trois cases. Première case, on voit le chat qui nous dit « Je viens de terminer cette méthode de lecture rapide. Et franchement, le début est un peu lent. Mais vers la moitié, ça s'accélère. Et le dernier tiers se lit à toute vitesse, alors. Personne ne rigole. Ben moi, ça me fait beaucoup rire. Mais oui, il a appris pendant. Mais oui. Mais rigolez, rigolez, vite. Non, ça, quand Johan ne comprend pas, le public ne comprend pas non plus. Il y a déjà 30 ans, près de 30 ans, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, le journaliste et écrivain François de Closet publiait Toujours Plus, un ouvrage devenu best-seller dans lequel il dénonçait les inégalités françaises générées par notre modèle social. On se souvient surtout que c'était les salariés d'EDF à l'époque qui s'étaient plaints de cet ouvrage pour ne parler que d'eux. Le 17 mai dernier, François de Closet a sorti Plus encore et là, il constate dans ce nouveau livre que ça n'a pas beaucoup changé. Même ce serait pire, selon lui, encore pire, selon François de Closet. C'est tout le système français qui est à modifier. Pour parler ensemble de Plus encore, un livre écrit avec un Karcher, accueillons tout de suite François de Closet. Pardon d'avoir fait référence au Karcher, mais c'est vrai que c'est écrit au Karcher. Vous êtes dit, allez, 30 ans ont passé, je peux encore y aller. Ben, d'abord, moi, quand j'avais écrit « Toujours plus », c'était une dénonciation. Et puis, je me suis aperçu que ça a été lu comme un mode d'emploi. Je pense qu'avec ce qui s'est passé depuis 25 ans, tout le monde s'est replié sur soi et ça s'est accéléré, ce divorce entre les gens protégés, les gens exposés, mais ils ne sont plus les mêmes. En 82, c'était les ouvriers qui vraiment subissaient la situation la plus dure. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont les jeunes. Alors, autant vous dire que sur ce plateau, les avis, comme à l'époque, les avis divergent sur votre livre. On ne peut pas dire que vous ne fassiez que des heureux. Certains trouvent ça formidable, d'autres pensent que vous allez un peu loin. Oui. On s'est trompé d'émission. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ah non, c'est pas on peut pas plaire à tout le monde, mais non, c'est fini, ça. Mais en tout cas, tout le monde en parle. Et Annie Lemoine de la première. Et oui, parce que moi, je pense que c'est un bon livre, parce qu'il peut canaliser les angoisses même, et surtout la hargne de certaines personnes. Alors, vous énoncez une vérité, moi, j'avais oublié, mais vous dites, je vous crois, dans les années 70, la France à l'économie la plus performante du monde occidental, croissance de 5,8% par an depuis 10 ans, elle n'est dépassée à cette époque-là que par le Japon. En 70. Et donc vous dites en gros, on a bouffé la cagnotte et voilà, et il n'y a plus personne pour parler vrai, il n'y a plus d'hommes politiques qui parlent vrai, il n'y a plus d'hommes d'État. Et vous les citez, ceux que vous aimez bien, alors les Delors, les Barres, les Rocard, il y a même Kouchner. Je faisais cette réflexion à un ami qui est engagé en politique. Et vous savez ce qu'il me répond? Tous des losers. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que les hommes politiques qui ont parlé vrai, eh bien,
par les gens du milieu politique sont considérés comme des losers parce qu'ils n'ont pas gagné les élections. Isabelle Alonso pousse des soupirs de découragement. De découragement. Après Stevie et ensuite Elsa. Oh alors, non, parce que vous partez dans des terrains que je trouve plus que douteux. Parce qu'on le sait aujourd'hui que ce qui fait que les inégalités se creusent, c'est le système libéral. Que le système libéral, les politiques n'ont aucune prise sur lui. Et vous, vous arrivez et vous dites... Je sais qui sont les coupables, je sais qui sont les boucs émissaires, c'est leur faute à eux et à personne d'autre. Les 68 heures, dis donc. C'est-à-dire qu'il y a une bande de salopards d'une soixantaine d'années qui sont là sur leur retraite et qui veulent pas laisser entrer les petits jeunes. Salaud, salaud. Moi aussi, ça m'a énervé, ça. Bon, Isabelle, nous sommes dans une démocratie. Alors, il est vrai que dans une dictature, on peut dire, qu'est-ce que vous voulez? Il y avait un pouvoir terrifiant qui nous a fait faire des choses horribles, nous ne pouvions rien faire. Non. Nous sommes dans une démocratie, nous votons. Et très régulièrement, c'est vrai, notre génération a voté, il faut le dire, pour la facilité et les plus démagogues. Et donc, nous ne pouvons pas être dans une démocratie et puis dire « Oh, mais vous savez, nous sommes de simples sujets, nous n'y sommes pour rien. » Or, moi, quand je regarde l'avenir, qui était celui des jeunes en 1970, que je regarde l'avenir, qui est celui de nos enfants. C'est bien joli, hein? Ils sont majeurs à 18 ans. Tu parles, qu'est-ce que c'est d'être majeur? Être majeur, c'est être autonome. Être majeur, c'est avoir une situation. Être majeur, c'est avoir un logement. C'est avoir accès au crédit. Pour la plupart des jeunes, on y arrive entre 25 et 30 ans. C'est une honte d'avoir réussi à faire que notre jeunesse soit dans cette situation. Et dites-moi, pendant ces 30 ans, on a eu une guerre, c'est la première fois depuis 200 ans que la France a passé 30 ans sans guerre. Alors venir dire nous n'y sommes pour rien, attendez. Si nous avons hérité d'une France riche, excusez-moi. Et que nous avions tous les espoirs, et puis qu'aujourd'hui, ben, c'est vrai, ça va très mal, non, moi j'assume. Excusez-moi, d'un point de vue strictement économique, une guerre est souvent une excellente affaire, puisqu'après il y a des pays à reconstruire, et les 30 glorieuses qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale sont liées au fait que le pays était détruit. Donc on ne peut pas tout mélanger. Attention. Vous dites vous-même, attendez, vous avez vu cette règle. Vous dites vous-même que quand l'ISF a été voté, puisqu'il s'agissait de réduire les inégalités, l'argent est parti à l'étranger. Et moi ce que je vous dis, c'est que donc les gens qui ont de l'argent ont le choix de partir à l'étranger. Les capitaux s'en vont, ils sont investis ailleurs. Alors la réponse. Ben la réponse, c'est que la France, c'est formidable. Que quand on est en France, on a envie d'y rester. Et quand ben on n'est pas en France, on a envie d'y venir. Seulement, si on ne donne pas suffisamment de contrepartie pour ce qu'on prend sous forme d'impôts, eh bien là, les gens s'en vont. Donc, nous pouvons parfaitement avoir une politique sociale et éviter les départs massifs des possédants. Si on ne le fait pas, c'est que de notre faute. Il n'y a pas à pleurer. Parlons par exemple du début des années 80, puisqu'on va célébrer le 70e anniversaire du Front populaire de 1936. Il se trouve qu'au début des années 80, on a accordé la 5e semaine de congés payés. Il n'aurait pas fallu, par exemple, accorder la 5e semaine de congés payés? Moi, à mon avis, la 5e semaine de congés, on pouvait la donner. Ce qu'on ne pouvait pas donner, c'était la retraite à 60 ans. Parce qu'on savait très bien que, jusqu'à présent, on avait eu des familles nombreuses pour payer des années de retraite peu nombreuses, et que la démographie étant ce qu'elle est, on allait avoir des familles peu nombreuses pour payer des années de retraite très nombreuses. TV. Moi, j'ai trouvé le livre génial. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que vous ne soyez ni à gauche ni à droite. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, et vous le dites dans votre livre, il faut oublier les références partisanes. C'est qu'on soit de droite ou de gauche, on s'en fout. Parce que finalement, on a tous le même objectif. C'est d'avoir moins de chômage. On n'a pas envie que les salaires diminuent. On a envie que le pays s'en sorte. Donc on a tous le même objectif. Mais il y a des malaises partout. Il faut trouver les solutions. Alors on en a. Tout le monde parle pour ne rien dire au final, que ce soit elle ou n'importe qui. Oh ben je te remercie, Stevie Boulanger. Mais c'est vrai. Il n'y a qu'un bon Dieu, frère Stevie. Mais votre problème, c'est que vous êtes enfermé dans des idéologies passées. Alors que moi, je ne suis pas comme ça. Je change d'opinion au jour le jour et avec les problèmes qui arrivent. Vous êtes sclérosé. Je change d'idée tous les jours. Époque, tu vois, moi, je suis moderne. C'est vrai, vous êtes sclérosé dans le socialisme. Mais tout le monde est un peu socialiste quelque part. Quand tu vois quelqu'un dans la rue et qu'il pleut, que tu peux lui offrir un toit, tu lui offres un toit. Mais vous êtes sclérosé là-dedans. Et vous n'arrivez pas.
et vous n'arrivez pas à évoluer. Et voilà, et maintenant il faut arriver à évoluer, à faire des concessions, parce que sinon on n'y arrivera pas, parce que comme vous le dites... C'est toujours les mêmes qui font les concessions. Mais non, mais non. Qu'est-ce qui s'est encarté? Il faut tout casser. Non, non, mais laisse-moi finir. Il faut tout casser. Un comptable à Matignon. Il faut tout casser et tout refaire. Et quand en politique, ce qui me désespère, c'est qu'on voit toujours les mêmes. C'est Fabius, Strauss-Kahn, ils sont là depuis... Mais moi, je sais pas, depuis que je suis gamin, je les vois, c'est toujours eux, ils se battent pour la présidentielle, lequel va passer au prochain tour. Mais c'est, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une nouvelle vague. Il y a Ségolène Royal qui arrive, qui n'était pas là avant. Il y a Nicolas Sarkozy qui arrive. Mais non, il était maire, mais je suis désolé, c'est la première fois qu'il se présente à la présidentielle. Il a des idées nouvelles, et il veut faire bouger les choses. Alors toi, c'est sûr que dès qu'on parle de bouger, c'est « Oh là là, mon Dieu, on va toucher à nos privilèges. » Mais oui, faut toucher aux privilèges. Si je peux dire, vous avez dit une chose, on demande toujours des sacrifices aux mêmes. Dans mon livre, à qui je demande en priorité des sacrifices, quels sont les droits, d'après moi, les privilèges qu'il faut attaquer en priorité, sont ceux des grands patrons. Hein? Alors, il est vrai qu'on ne peut pas se contenter de casser les privilèges que sont constitués 400 grands patrons salariés. Mais on ne peut pas demander d'efforts au reste de la population si on ne commence pas par là. Après, si vous voulez, comment vous pouvez dire, quand vous avez un patron qui s'est fait mettre de côté 29 millions d'euros pour assurer sa retraite, comment pouvez ensuite aller vers des cheminots et leur dire, soyez raisonnables, vous ne pouvez pas continuer à prendre votre retraite à 50 ans et à avoir une vie de retraité plus longue que votre vie active. Elsa Fayer. Moi, j'ai adoré ce bouquin. J'ai appris que mes parents allaient m'enlever le pain de la bouche, que la France était ruinée, qu'il allait bientôt falloir se serrer la ceinture et qu'en plus, Pierre Bénichou, en tant que quinquagénaire, et encore je suis sympa, gagne 40% de plus que moi. 40% seulement? Oui, mais... En brut ou en net? Vous ne verriez pas dire ça, il n'a pas assez venir me voir à la fin de l'émission. Moi, j'ai des gosses qui sont fauchés. Il faut que je les aide. C'est dans le bouquin, ça, justement. Non, sans rire, les chiffres que vous nous avancez sur les salaires, c'est quand même c'est alarmant. En 1965, les salaires des quinquagénaires étaient en moyenne supérieure de 15% à ceux des trentenaires. Aujourd'hui, l'écart atteint 40%. Voilà, Isabelle, ce qui me choque. À votre avis, dans l'état actuel des choses et des programmes que l'on connaît, ou les idées ou les envies des uns et des autres, quels sont les deux candidats, donc de droite, un de droite, un de gauche, qui seraient les plus à même d'appliquer vos idées ou des solutions pour sortir du constat terrible que vous faites? Ok, je vous donne la réponse. Il faut que ce candidat ait plutôt une image de gauche que de droite, car il devra appliquer des mesures forcément un peu impopulaires. Et il faut que ce candidat ne prenne pas trop à l'avance des engagements, car il devra faire les choses et qu'il ne commence pas à se dire « Ah oui, mais je me suis engagé à faire ça ». Ségolène. Ça ressemble à une femme, ça. Ségolène, ouais. Non, c'est pas... C'est pas le seul. Ses initiales, c'est JFK. Hein? C'est ça, hein? DSK, tu veux DSK, dire. Oui. Non. Tu confonds avec Gérald Kennedy. Il est 20h, il est 20h, le président est François de Closet. Tu vois ma mort. Premier ministre. Bon, même pas le dernier, en montant, je l'ai refusé. Ministre des Finances, quand même, non? Ouais. Il y croit, hein? T'as vu, t'as vu? Pierre. Mais c'était pour rire, François. Pierre. Vous imaginez, franchement, le pauvre. Déjà qu'on prononce plus de Closet, de Closette. Si en plus il a un cabinet à lui, alors là on est mal barré. François de Closet. Plus encore. Il aura le droit à tout si jamais il devient ministre. Tous les surnoms. Quelle France pour nos enfants, c'est chez Fayard Plomb. Merci à vous. Merci. L'invité que nous allons maintenant accueillir maintenant a été élu dans les années 90, plusieurs fois d'ailleurs, artiste de variété du siècle, devant Elvis Presley et Bob Dylan. C'était un sondage du magazine américain Time. C'est un monstre sacré de la chanson française. Ses tubes se comptent par centaines. Inutile de préciser qu'il s'agit donc du grand Charles Aznavour. Ce n'est pas un nouvel album que vient nous présenter Charles Aznavour ce soir, mais son autobiographie, ou plutôt sa biographie, puisque s'il y a participé, sont quand même deux journalistes, qui avait commencé le travail et un autre qui l'a continué, qui signe ce livre, Charles Aznavour ou le destin apprivoisé, c'est chez Fayard dans la collection Chorus. Accueillons tout de suite Charles Aznavour et son biographe Daniel Panchenko.
succès d'Aliel Panchenko. Ah, oui. À peine vous sortez un livre que le public vous acclame déjà. Ah, oui. Vous rendez compte? Je suis confus, Charles. Hein. Même là, de l'autre côté. C'est-à-dire? Parce qu'habituellement, je vois là-dedans. Eh ben, vous pourrez peut-être même vous voir, puisque ce n'est plus un secret pour personne, cette émission est enregistrée. Comme ça, vous verrez si nous vous avons posé les bonnes questions, vous vérifierez si vous avez bien répondu. Et si vous aviez choisi le bon journaliste et bon biographe. Et puis je verrai ce que vous avez coupé. Ah, oh, si. Ça, par exemple. C'est pas sûr. Non, ça, c'est moins que sûr. Alors, je l'ai dit, c'est un premier journaliste, Marc Robin, qui était un confrère à vous, Daniel Panchenko, qui a commencé un peu le travail. Tout à fait. Marc Robin, comme moi, était journaliste à Corus. C'est une revue que vous connaissez bien, je sais. Et Marc a eu le mauvais goût de mourir au mois d'août en 2003. Et on a trouvé une centaine de pages qu'il avait commencé à écrire sur Charles. Et j'ai mis 2 ans pour mener à terme le livre sur la carrière de ce jeune homme. Hein. Annie Lemoine, vous l'avez lu, vous? Depuis que j'ai lu ce livre, j'en parle à tous mes amis. Je dis, tu te rends compte, il y a Aznavour qui vient sur le plateau. Qu'est-ce que tu veux que je demande? Je pose la question à tous mes... Qu'est-ce que vous voulez que je demande à Aznavour? Merci, mais merci, c'est idiot. Tes copines n'ont pas d'idée? Non, parce que... Et alors, il me disait, vous devez vous faire chier en réunion. Mais c'est idiot, tu vas pas dire merci à Aznavour. On dit merci à tout le monde, on dit merci à un garçon de café, tu peux pas dire merci. Et je ne sais pas ce que je peux vous dire. Alors, je ne vous... Parce qu'il faut pas se moquer d'elle parce qu'elle est émue. Je comprends très bien qu'on soit ému en voyant Aznavour. Alors... Moi, je suis un vieux con. Et ben, Aznavour m'émeut. Enfin, une parole sensée. Aznavour m'émeut. Vous m'avez bien fait de venir. Aznavour m'émeut. Pas tellement pour sa lutte contre la chance, ses chansons formidables. C'est pour ses souvenirs. Et ce qu'il y a de formidable dans ce bouquin, c'est qu'il donne le numéro des rues. Quand il dit, 36, j'étais dans mon enfance aux 3 rue Champollion, après aux 36 rue Monsieur le Prince, après aux 73 rue Saint-Jacques, mais il était 4h du matin, j'avais envie de prendre ma voiture et de passer devant pour voir comment c'est la maison. C'est ça la nostalgie. C'est ça. Alors Canine Moine, elle est allée faire à l'auto. C'est ça la poésie, je trouve. Alors Pierre, moi j'ai résolu le problème. En fait, moi je me suis dit, je vais juste lire une phrase de Piaf. Piaf dit à son compagnon, tu sais Loulou, en parlant d'Aznavour, de Charles Aznavour, il a une drôle de gueule et la voix d'un type à qui l'on vient d'arracher ses poumons. Il semble pleurer ses chansons, mais j'ai rarement vu un gars qui avait autant de tripes. Isabelle Alonso. Alors, je voulais encourager Pierre dans son émotion. Non seulement il y a les numéros des rues, mais si tu regardes bien, les pages aussi sont numérotées. C'est dingue. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que dans une réflexion totalement idiote. C'est vrai. Ils sont taquins entre eux, ils sont taquins. Alors, ça se lit comme un roman. Alors même qu'on croit connaître l'histoire et on la lit quand on lit une histoire. En plus, c'est ponctué avec les chansons, donc c'est un vrai bonheur de lire ce livre. Évidemment, en ce qui me concerne, j'étais particulièrement sensible et émue par le début, c'est-à-dire par Charles Aznavour, petit garçon. Et quand j'ai lu les pages que vous écrivez sur vos parents, fauchés, sans un rond et qui accueillent tout le quartier, chez qui on mange, on boit et on rit jusqu'au petit matin, ça m'émeut au-delà de tout. Alors, comme moi aussi, je me disais... Qu'est-ce que je peux poser comme question à Charles Aznavour? Vous avez déclaré dans Elle, en avril 2004, que vous choisissez toujours vos vêtements avec soin, que vous assortissez vos vêtements entre eux, du slip aux chaussettes, tout doit s'accorder. Ah oui, mais alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander, vous avez aujourd'hui... C'est vrai. Alors, les chaussettes, d'accord, mais est-ce que vous avez un slip kaki, par hasard? C'est non. Joli aussi. Non. Il y a quand même quelque chose mais, qui est mais vous, pareil. Vous mettez des slips ou des caleçons? Non, mais voilà, écoutez, on reçoit monsieur Aznavour. C'est intéressant. Alors vraiment non, mais, parce que les mecs qui mettent des slips, je ne leur parle pas, moi. Aznavour ou pas, un mec qui met un slip n'entre pas chez moi. Et un mec qui l'enlève. À propos de votre carrière de comédien, vous dites... Ce qui me plaît, c'est d'être encore crédible quand je joue le rôle d'un type fauché, malheureux. Et vous dites, c'est peut-être ça, la part de mon enfance qui reste en moi. C'est ça peut-être que je fais passer à ce moment-là. Je n'ai jamais rien oublié de la pauvreté. Je n'ai jamais rien oublié des gens qui étaient auprès de nous, qui ont été tués pendant la guerre. Je n'ai rien oublié de mes petits voisins avec lesquels j'ai joué dans la rue. Et de temps en temps, nous prenons la voiture et je vais faire un tour. Je regarde le 36 de la rue, Monsieur le Prince. Je vais voir les lieux où j'ai vécu. Et ça me fait énormément de bien parce que ça me...
je ne veux pas être une star, je ne veux pas être une vedette, je veux être quelqu'un de tout à fait normal pour vivre comme tout le monde. Si on doit être vedette pour vivre à côté de sa vie, ça n'est pas la peine. Elsa Fayère. Moi, j'ai été assez intriguée, en fait, par votre relation amitié avec Édith Piaf, que j'ai eu, en fait, du mal à saisir. Elle vous a mis constamment au défi, elle vous a découvert, elle vous a demandé de vous séparer de votre acolyte de l'époque qui était Roche, elle vous a fait refaire le nez, elle vous demande de lui écrire des chansons et les refuse tout en bloc, et elle est complètement super énervée quand une autre chanteuse prend une de vos chansons et fait un succès. Elle ne supporte pas cette histoire. Moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'elle avait autant d'influence sur vous. D'abord parce que tous ceux qui vivaient autour d'Édith étaient amoureux d'Édith. Alors j'étais amoureux d'une manière différente, moi c'était de l'amitié amoureuse. D'autres étaient vraiment amoureux, parce qu'on dit parfois comment ils étaient amoureux, c'est qu'ils avaient besoin de quelque chose. Non, je peux vous dire que les hommes étaient vraiment amoureux d'Édith. Et qu'on était sous l'emprise de Piaf. Elle nous menait par le bout du nez et on était heureux d'être menés par le bout du nez. Je ne sais pas si ça existe encore, des jeunes gens qui voudraient faire ce métier et qui voudraient être un petit peu les esclaves des vedettes qui les emploieraient. Mais qu'est-ce qu'elle avait de si fascinant? Il y avait une espèce de... Vous l'avez côtoyée vraiment, nous enfin... Elle avait tout de fascinant. D'abord, c'était une femme qui voulait s'instruire. Elle s'est instruite formidablement. Elle a écrit des chansons mieux écrites que beaucoup d'auteurs de chansons. Et elle a écrit toutes les premières chansons de mon temps. Tout le premier tour de chant de Montand, c'était okay. Piaf. Elle était fascinante comme personnage. C'est alors qu'avec Cerdan, par exemple, quand on partait faire une émission, elle lui laissait un bouquin comme « La recherche de la vérité », le pauvre, il s'en tirait pas, mais il lisait quand même, parce que quand elle rentrait, elle lui posait « Alors, tu l'as lu le livre ? Oui, alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Et elle lui laissait des chansons, et du Beethoven. Et c'était extraordinaire, cette femme s'est instruite toute sa vie. Ça mais vous dit quelque chose, drôle. Vous Stevie. Ah, Charles, que vous dire? Mais j'ai trouvé. Ah, vous l'appelez Charles, vous alors? Bah, enfin, on a tous un prénom, non? Enfin, c'est insensé. Bah, il vous fait marrer, Stevie? Oui, il fait ma joie. À chaque fois que je le vois, je le vois dans votre émission, à chaque fois, il apporte quelque chose de nouveau, il a appris quelque chose de nouveau. Je sens quelqu'un qui a le besoin de s'instruire. Et ça fait partie de ma vie, ça, les gens qui ont voulu s'instruire. Stevie, que pensent les Arméniens de vous, en fait, en Arménie même? Vous en avez tellement fait. Je pense à la fondation Aznavour pour l'Arménie, où ils vont chercher des fournitures pour les enfants, des vêtements, des... Enfin, Ce dont nous avons besoin sont des écoles, des blocs opératoires, etc. Ça, c'est ça dont nous avons besoin. Mais le pays se remonte bien. C'est vrai que vous avez une statue de 4 mètres de haut en Arménie? Et la première fois, j'ai eu du mal à me voir. Alors, si vous regardez de temps en temps notre émission, peut-être avez-vous aperçu parfois quelqu'un qui tente de vous imiter régulièrement. Et pourtant... Et pourtant... Là, je dois dire que je suis assez... Je vais rougir. Il en bafouille. Bah oui, c'est-à-dire que je me suis réuni avec mes copains et on s'est dit, est-ce que je peux lui dire merci? Mais ça ne serait rien du tout. Que vous dire d'autre que merci quand on pense à quelques-unes de vos chansons. Non, je ne vais pas résister. Je vais préparer une sorte de melting pot. Alors, un hommage, quoi. Un hommage, oui. Un medley. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Maman. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir le sommet. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà à durée riche. Et pourtant, je n'aime que toi. Bravo Christophe, merci. Cette main dans la poche. Qu'est-ce que vous faites avec cette main dans la poche? Pas ce qu'il fait lui. On m'a envoyé un facteur, j'imagine que vous êtes au courant, pour un disque qui s'appelle Le cul de ma sœur. Et absolument. Il paraît que vous avez signé les musiques de 4 chansons, dont une qui s'intitule Mon Minou, Mon Minet. Oui. L'autre s'intitule Le roi des cons. Oui. L'autre s'intitule Le zizi de Bastien. Oui. Ça, alors, j'imaginais pas que vous aviez écrit la musique du zizi de Bastien. Je suis capable de tout. Alors, ce sont des chansons coquines, sont quoi? Oui, très coquines même. Mais faut pas avoir peur des mots, surtout aujourd'hui. Je pense que dans le temps, on nous traitait de, oh là là, de mal élevé. Mais avec l'âge, on dit,
Il a une manière de dire les choses. Le dernier disque pour lequel d'ailleurs vous étiez venu nous voir signé Aznavour était ce disque de duo insolitement vôtre, pas seulement des duos mais essentiellement. On y retrouvait des duos avec Lio, avec Serge Lama, Hélène Ségara, Annie Cordy, Cathy Aznavour, Isabelle Boulay. Et vous avez d'autres projets pour le cinéma ou la télévision? Non, j'en aurai de moins en moins. Vous allez rechanter en revanche? Je vais donner mes récitals d'adieu à la langue anglaise, là, au mois de... Comme chevalier, pendant 15 ans. Vous partez en retraite? Des adieux à la chevalier. Non, pas 15 ans, parce que 15 ans, ça me mettra trop loin. Non, j'ai peur que la voix chevrotte. D'ailleurs, il y a une très jolie chanson où vous moquez de ces chanteurs. Je ne ferai jamais mes adieux, je ne sais pas si c'est le titre exact, mais où vous vous moquez de tous ces chanteurs qui, soi-disant, font leurs adieux parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous dites souvent, c'est parce qu'ils ont plus de succès. Dans le prochain disque, j'ai mon testament aussi. Votre testament? Oui, ça s'appelle « J'abdiquerai ». Charles Aznavour a encore des projets. En tout cas, voilà, vous soutenez ce livre signé Daniel Panchenko, initié au départ par Marc Robin. Ça s'appelle, oui, « Charles Aznavour ou le destin apprivoisé » dans l'édition Chorus chez Fayard. Merci à tous les deux. Merci. Allez, je vais vous donner une liste de films à succès. Un air de famille, La dilettante, Le dîner de con, Chouchou, 7 ans de mariage, Les sœurs fâchées, et plus récemment, Mon petit doigt m'a dit. Oui, autant de succès qui ont un point commun à l'affiche, Catherine Froh. On souhaite autant de succès au film dont elle va nous parler dans un instant, un film de Florence Moncorgé-Gabin, la fille de Jean Gabin qui avait écrit les mémoires. Il y a peu de temps, on l'avait reçu sur ce plateau, un formidable livre. Et là, elle passe derrière la caméra. Elle avait été script, entre autres, sur les tournages de certains films de son père Jean Gabin. Elle est maintenant réalisatrice. Ça s'appellera Le passager de l'été, ce film. Et elle a une chance, cette jeune réalisatrice, c'est qu'elle a donc Catherine Froh comme interprète. Voici Catherine Froh. Bonsoir. Le 7 juin prochain sort Le passager de l'été de Florence Moncorgé-Gabin avec donc Catherine Froh, Laura Smet, belle affiche, François Berléand et Grégory Derangère. Voilà, et ça se passe dans une ferme isolée. Disons que ce sont un peu des héros de tragédie, parce qu'il y a une histoire toute simple de cette femme assez austère, assez retenue, qui va un jour croiser un commis agricole qui cherche du travail. C'est Grégory Derangère. Et elle est très touchée par lui. Mais en fait, si vous voulez, c'est un film quand même sur le silence, c'est-à-dire les gens parlent très peu, les visages n'expriment rien. Et on se demande toujours ce qui va se passer. Une jalousie de femme pour cet homme. Voilà, mais c'est-à-dire que sa fille, qui vit aussi à la ferme, est institutrice et elle va apprendre à lire et à écrire à ce jeune commis. Voilà, mais ça va créer un grand drame. Le passager de l'été, c'est signé Florence Moncorgé-Gabin pour la réalisation. On va vous en parler dans un instant plus longuement, puisque trois de nos chroniqueurs l'ont vu. Mais d'abord, découvrons ensemble la bande-annonce. Qu'est-ce que vous voulez ? Je cherche du travail, on m'a dit qu'il y en aurait peut-être chez vous. Qui vous a dit ça? Un gars sur le chemin, avec sa jumeau. J'espère que vous n'êtes pas feignant. Ça veut dire que c'est oui. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Tu sais que la Monique, elle a un nouveau commis? Et alors, qu'est-ce que ça me fout? C'est un beau gars. C'est même un sacré bestiau. Donc aimé, t'as viré de bord ou quoi? J'ai pas le souvenir que t'en aies fait autant pour Fernand. C'est tout petit ici, tout se sait. Tenez, je suis sûre que tout le monde pense qu'on va coucher ensemble. Jamais le premier soir. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Qui ça? Votre mari. Ça vous regarde pas. Joseph. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Attention, Monique, c'est un vagabond. Il y a des choses qui me plaisent pas. Je lui apprends à lire et à écrire. C'est un crime? Ça va lui servir à quoi? Pour désherber? C'est quelqu'un de bien. Je l'aime et il m'aime. Il t'aime. Il aime tout le monde. Le passager de l'été, on a aperçu aussi Mathilde Seigner dans la bande-annonce. Annie.
Le film est absolument remarquable. J'étais bouleversée. C'est un film qui contient une émotion forte, mais très très forte. C'est admirable, admirable, par la qualité de l'interprétation, par le rôle que vous savez, l'étoffe que vous savez donner au personnage, comme vous parliez de silence, oui. Tout est justesse, sensibilité, finesse. Alors, Florence Mongorgé a réussi son premier film, mais coup de maître, ça valait le coup que la gestation soit aussi longue. Elle a sûrement beaucoup appris en habitant en Normandie, en travaillant avec des grands réalisateurs. Merci d'avoir fait ce film-là, je vais encore me faire railler par mes petits camarades, mais oui, de nous avoir donné ça, cette émotion-là, et de retrouver ce qu'a pu être effectivement dans ces fermes-là, cette époque-là, ces ambiances-là. Isabelle Alonso. Je suis encore comme ça, d'avoir vu ce film. Je l'ai vu il y a quelques heures et c'est un film qui m'a fait vibrer. C'est un film sur le désir. Sur le désir et son côté exacerbé, d'autant plus exacerbé et violent qu'il est dans cette ambiance où les gens sont durs à la tâche, se taisent, il ne se passe pas grand-chose dans leur vie, c'est toujours cette routine et ce travail tellement dur. Et dans cette ambiance-là, il y a une montée de ce désir entre toutes ces femmes qui sont là sans homme et ce garçon magnifique qui arrive et qui lui aussi est dans le désir. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est cette espèce de tourbillon dans lequel on est emmené. On finit le film sur les rotules. C'est un film magnifique. Bravo à Florence Mongorgé-Vagrin. Elsa Fayer. Ce qu'il y a d'extrêmement tendre et jouissif, c'est de vous voir enfin sensuel. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que vous avez une scène, je ne veux pas en dire trop, vous avez une scène d'une sensualité incroyable. Sur les herbes, enfin sur le comment est-ce qu'on dans appelle ça palle. Le foin, voilà. Sur le foin. Mais à quoi ça sert que du croix sur des carcasses. Avec des auréoles sous les bras, ça transpire. Et c'est vrai que cette scène de sexe, on en voit aujourd'hui tout, dans tous les films, qu'on soit des feuilletons, etc. C'est contre la porte, surtout la scène. Ah non, moi j'ai aimé celle dans vous le foin. De avec cette sueur, enfin il y a une sensualité. J'ai été extrêmement surprise par la fin, que j'imaginais pas du tout comme ça. Ah, tant mieux. Et la fin tragique, vous imaginiez pas que ce soit si tragique. Non, je pensais que ça allait être un peu plus fleur bleue. Mais en fait, c'est pas tragique, c'est romanesque. Enfin, dans la vie réelle, ça serait de la douleur pure, mais en fiction, c'est du romantisme, c'est du romanesque. Ça, c'est un truc pour Annie Lemoine. Moi, j'aime bien quand ça allait happy end. Pierre Bénichou. Non, mais moi, j'ai pas vu le film, mais d'après tout ce qu'on me dit, ça m'agace énormément, parce que je crois qu'il n'y a que des cycles dans la vie. Il y a eu un cycle qui a duré 40 ans, avec tout le cinéma américain, où c'était les femmes fatales. Maintenant, tout a changé. Les femmes ont pris leur autonomie, et elles montrent là que, justement, l'objet du désir, c'est l'homme. Alors l'homme, c'est quoi? C'est pas ce type qui parle ou qui arrive ou qui sent bon, non, non. C'est une sorte de type qui arrive comme ça, qui parle peu, ouais, oui. Qui est dur à la tâche, mmh. Et qui est, paraît-il, formidable au pieu, et qu'on sème dans la sueur et le foin. C'est le foin qu'on dit, hein. C'est pas comme ça. Non mais arrêtons. Je sais bien qu'il ne faut pas vivre dans une société trop sophistiquée, mais ce retour à la sauvagerie, oh là là, c'est de... Vous, cela dit, vous, je vous... Pierre Bénichou. Non, et vous vous demandez, est-ce que c'est parce que vous avez dit de façon très jolie, quand vous étiez sorti du conservatoire, je crois que ça a marché parce que j'ai pas un physique moderne et que c'est pourquoi on me donne des trucs un peu décalés, et c'est ce côté décalé qui fait votre charme. Mais que votre décalage n'aille pas jusqu'à ce mensonge. Oh. C'est du mensonge, c'est l'attirance de gens comme ça. Mais non, voilà. Bah oui, mais bon, moi, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Eh bien, on s'aimera quand même. Ça va rien. Stevie, qui est l'incarnation même du sauvage qui arrive, qui oui. Une bête. Non, moi, Catherine Froh, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vous êtes l'une de mes comédiennes préférées avec Liv Tyler. Ah, qui ça n'a aucun rapport. Aux États-Unis, j'ai Liv Tyler et en France, j'ai Catherine Froh. Non, pas Liv Tyler. La fille d'Aerosmith, Liv Tyler. La fille d'Aerosmith, comme si c'est ça qui allait l'aider. Enfin, voilà, je vous trouve d'une beauté. Vous avez une façon qui n'appartient qu'à vous de capter la lumière. Je vous trouve, mais... C'est comme si votre carrière d'actrice était une évidence. Je sais pas, il y a des gens comme ça. Dites-lui ça, ça n'a pas toujours été ça. Mais non, mais vous êtes merveilleuse, quoi. Lumineuse, sublimissime. Je sais pas. Non, mais c'est vous, là. Rayonnante, radiante. J'ai peur qu'il tourne mal. Christophe Alévec. D'abord, je trouve aussi, Catherine, que vous êtes merveilleuse, sublimissime, magnifique. J'avais vu depuis très longtemps en vous ce côté sensuel.
Voilà. Non, c'est vrai, je trouve que vous êtes magnifique au théâtre, au cinéma. Bon, à la maison, je ne sais pas, j'ai jamais été invité. Remarquez, vous me direz, on se connaît à peine. On se connaît même pas, donc je sais pas pourquoi vous m'inviteriez. Il y en a ici sur le plateau que je connais depuis 5 ans qui m'ont même jamais payé l'apéro. Et je vous ai vu une fois au théâtre, moi, dans un air de famille. Oui, c'est toi, Pierre. Je regrette pas. Un air de famille au théâtre, c'est une pièce formidable. Et avec ce passage, alors là, avec le collier. Oh, arrêtez avec ce collier, elle en peut plus. Ah, oui, c'est qu'on lui détache. C'est vrai que c'est mon tube, j'ai pas rien. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Oh, si, c'est joli, c'est le chien. C'est pour le chien. Non, c'est pour toi. T'es absolument magnifique. Ce que je ne savais pas, parce que j'ai lu ça dans les notes du colonel, du général Rondeau, c'est que vous étiez la reine des... Vous dites, je suis la reine des prudes. Est-ce que vous êtes si prude que ça? Oui, je suis un peu... C'est vrai, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à trop m'abandonner. C'est vrai, je suis un peu, genre, réservée, quoi. Mais même à la campagne? Mais dans ce film-là, cette histoire de sauvagerie, tout ça, c'est pas vrai, hein. C'est pas si sauvage que ça. Hein. C'est vous qui le dites. Les choses sont à peine. Je l'ai pas vu. Les choses sont effleurées. Il y a un sentiment fort. Il y a des pulsions. Il y a du désir, mais les choses sont quand même filmées avec délicatesse. Évidemment. Catherine Fro, vous serez aussi sur les planches à la rentrée à partir du 15 septembre prochain. Vous avez choisi un bon auteur, Florian Zeller, qui est écrivain mais qui a écrit aussi beaucoup pour le théâtre. Ses premières pièces ont été de bons succès et j'imagine que Si tu mourais sera aussi un succès. Non, le titre va être changé. Ah, parce que... Oui, c'est pas c'est... très... Non, ça oui, fait un peu fort, Si tu mourais. Oui, oui. Oh, non. Puis surtout que la pièce, c'est pas que ça, quoi. C'est plus... Dis Laurent Coupe, 2 minutes par moment. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. Attends. N'ayez pas peur, c'est normal, c'est la productrice de l'émission. C'est la productrice. Arrête de faire applaudir. Mais con. Coupe, Serge, 2 secondes, excusez-moi, aucun rapport, pardon, mais c'est le bordel, Laurent. Qu'est-ce qui se passe? Mais pas sur le plateau, dans le paf. Enfin, sur le plateau aussi, mais enfin, ça, on a l'habitude. Carrière d'actrice, elle, c'est une évidence, toi, ta carrière d'animateur, je suis pas sûre. Viens. Alors, oui, non, c'est le bordel dans le paf, tu restes avec moi, toi, là, sur la 2. Vous n'allez pas tous me faire le cul, là, le coup. Est-ce que tu restes avec moi? Tu me l'as déjà dit, mais redis-le. Mais bien sûr, oui, je reste, oui. Alors, dis-le face caméra, tu regardes la caméra, tu dis oui Catherine, oui Catherine. Oui Catherine, je reste. Avec toi sur France 2. Je reste sur France 2. 2. Voilà, coupe, Serge, c'est bon, on a une preuve. Non, mais je suis obligée. Ah bah oui, non, mais non, très drôle, applaudissons. Mais nous sommes obligés. Tous les animateurs changent de chaîne, vous êtes sur quelle chaîne? Voilà, rentrez, c'est quoi? Vous êtes au cinéma, vous, au cinéma, mais c'est quel cinéma? Cinéma frisson, ciné-émotion, ciné-cochon, on n'en sait rien aussi. Les gens ne veulent pas nous dire sur quelle chaîne ils sont, tu comprends? Ah ouais. Mais là, si on reste, là, il faut refaire l'équipe, là. Ah oui, oui, j'y pensais. Je ne peux plus me les voir. Hein? Non, mais il faut qu'on fasse entrer des nouveaux, là. Faut qu'on trouve notre Ribéry et notre Chimbunda, là, je sais pas quoi. Mais oui, mais faut renouveler le genre, on est obligé. Oui, je suis d'accord. Oh, Pierre, ça va? Je t'adore, tu sais que je t'adore. On peut pas te garder, Pierre. Laurent, on ne peut pas. Pourquoi? T'es un peu notre Zidane. C'est tout. Justement. C'est vrai. Bon, mais ce qu'il y a, je vais te retrouver un truc. Je vais produire une... Ça va? Une émission de cinquième partie de soirée. Hein? D'accord. C'est comme un last time au lieu d'un prime time. C'est le matin, quoi. Hein? Voilà, c'est ton public le matin. Parfait. Ah oui, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, comme ça, t'iras direct en sortant de chez Castel. Hein? Ça va passer chez toi, me font chier. Ça va, les jeunes, rigolez pas trop, les jeunes, là. Hein? Parce que s'il y en a qui me fait chier, c'est pas la 5, la 6, la 7, c'est direct 8, hein, tout. Tiens, d'ailleurs, ça va, Stevie? C'est que je t'adore, pardon. Vous avez un décodeur TNT, tous les deux, là, Elsa et Stevie? Les décodeurs TNT, vous avez ça? Il va falloir en acheter pour vous regarder à la télé l'année prochaine. Tiens, ça va, Christophe? Oui. Que je t'adore. Ah, dis-moi, chut, oui. Arrête. Tu sais qu'on entre dans une année électorale. Hein? Oui. Bonnes vacances, Christophe. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, je sais plus de tout, Laurent. Vous avez le texte? Et je vois que t'as embauché déjà 2 nouvelles, là, pour les tester. C'est bien. Bonjour, c'est mesdames, bienvenue. Isabelle, très jolie, très... Oh, putain, toujours, toujours. Il faut qu'on bosse moins fort, ils auraient dû la mettre. Allô? Quoi? 2 secondes. Oui. Oui, Thierry. Ah, voilà. Oui. Non, je suis sur Ruquier, là. C'est Beccaro. Oui. Non. Mais je le sais. Attends, j'entends pas, Johan. L'autre, il fait applaudir, lui.
Oui, bah je sais, pas la boule noire, on connaît ton jeu. Attends, je te rappelle. Oui, voilà, bah tu vois le gag. Hein? Avant tout le monde en parlait, maintenant c'est Motus. T'as compris le problème de Foresti dans son sketch. Florence Foresti. Restez encore 3 minutes, vous allez jouer, vous allez pouvoir vous lâcher dans le qui a vu quoi. Première photo, regardez bien. Cette photo vaut 100 points. De quoi s'agit-il? Le château de la Belle au Bois Dormant. Non. Non, c'est un château qui héberge l'équipe de foot d'un pays qui participe au championnat. 300 points, mais ce n'est pas ça du tout. Ah non. C'est un château d'Allemagne, en Allemagne. Non. Il est en reconstruction. En France? Non. Non. On a pourtant, de Depardieu? On en a pourtant beaucoup parlé ces derniers jours. D'un château, on a parlé? C'est un château de... 1000 points! Il vient d'être vendu ou revendu. Le château des Chirac? Non, on ne souffle surtout pas dans le public, car il y a des sommes en jeu très importantes. Ah, le château... 2000 points! Le château d'Yves Lecoq. Le château d'Yves Lecoq. Non, non. On a beaucoup parlé du château d'Yves Lecoq ces derniers jours. Il y en a plein, des châteaux. Il est hanté. 3000 points! Ah, non, mais non, Laurent! Bah il est hanté, il se passe quelque chose dans le château! Hanté, on l'a dit à une époque, oui. En Roumanie, c'est le le château de Dracula. En Roumanie, oui, le château de Dracula! Non, 3000 points pour Elsa Fayet! J'ai dit la Roumanie. Regardez bien cette photo. Bon, bah Elsa, bravo. Nous avons, au hasard, gommé un joueur. Lequel? Ça vaut le premier qui donne la réponse à 500 points. Chimbunda. Non. Thierry Henry. Non. Coupé. Non. Non, coupé les là. Moteur. Non. À qui les cons? Ça, c'est drôle. Vous connaissez bien le football, Catherine? Non, malheureusement. Thierry Henry. Oh, non, non. Attends, c'est pas... Sylvestre. Oh. Attends. Sylvestre, 300 points pour Christophe Alévèque. Michael Sylvestre. La photo suivante... Vous allez évidemment reconnaître tout de suite Angelina Brad Pitt et Angelina Jolie. Mais là, c'est plus une question de mémoire, puisque je vous demande le prénom de leur nouveau bébé. Oh bah, combien de points? Allez, 500. Sheila. Non. Shiloh. 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 Il y a S-H-I-L-O-H. C'est pas Shiloh. C'est plus long que ça. Ah bon, j'ai lu ça, moi. C'est Shiloh, il y a une partie, mais il n'y a pas tout. Andrew Shiloh. Shiloh. 1000 points. Nouvelle. Shiloh. Nouvelle. Shiloh Nouvelle. Excellente réponse d'Ali Lemoine. Combien? Combien? J'ai dit combien, on en était à combien? 1000 points, Ali Lemoine. Non, vous pouvez partager, j'ai donné Shiloh. Je ne partage pas. Bon, là, il faut vous réveiller, Catherine Froid. Hein. Ah, attention, là, vous avez une chance, si vous suivez le tennis, sur cette dernière photo. De qui s'agit-il? Grosjean. Non, 200 points. Boris Eltsine. Est-ce que c'est un politique? Non. C'est un Français? C'est un acteur? Le pape? Non, mais 500 points. C'est un acteur? Non. C'est un tennisman? Non. Mais non, c'est pas, c'est un homme politique, évidemment. Non. C'est un sportif. Non. Un journaliste. Un chanteur. Un chanteur. Un chanteur, oui. Jean-Luc Lahaye. Bruel. Bougenard. Henri Comasias. Non. 1000 points. Anconina. Oh non. On remarque qu'il a les avant-bras musclés. Attends, il est costaud. Il est costaud, hein. Bruce Willis. Non. 2000 points. C'est un acteur français. C'est un français ou pas? Non. Bougenard. Non. Mince. Harrison Ford. Non. Un chanteur. Bruce Springsteen. C'est un chanteur. 300 points. Elton John. Déjà en plus. Elton John. Elton John. Ça pourrait. Pardon? Elton John. Elton John. Excellente réponse de Stevie. Ah, ça Miller. Me fait combien? 3300. Ouais. 3300. Oh non, mais est-ce que vous suivez? Il y a un sport que vous préférez? On a parlé football, tennis. Quel est votre sport préféré? Moi, j'aime bien le tennis quand même. Le tennis, plein Roland Garros, ça tombe bien. Nous ne sommes pas là tous les soirs en ce moment. Vous pourrez tomber sur un match de tennis parfois entre 19h et 20h. Et nous, pendant ce temps-là, on en profitera pour aller au cinéma, voir par exemple Le Passager de l'été, date de sortie le 7 juin. Catherine Froh, Laura Smet, François Berléand, Grégory Dorangère et aussi Mathilde Seigné, où à la rentrée. Au théâtre, à la Comédie des Champs-Élysées, dans une pièce de Florian Zeller avec Bruno Puzzulu, Robin Renucci, entre autres, Chloé Lambert. Merci à vous, Catherine Froh. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.